congolaises, congolais. Les forces armées recrutent. Pour répondre à la mobilisation générale décrétée par le président de la République et commandant suprême, venez massivement vous enrôler au sein des FARDC pour défendre la patrie. Pour ce recrutement, les conditions exigées sont les suivantes. Être de nationalité congolaise, être âgé de 18 à 25 ans, être célibataire, sans enfants et volontaire, avoir une bonne moralité, avoir fait au moins 4 ans post-primaire, être physiquement et mentalement apte, être sans antécédent judiciaire. La force aérienne recrute les candidats pilotes et techniciens d'aviation et la force navale les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine. Présentez-vous dans les états-majors des régions militaires, de la force aérienne, de la force navale, au bureau des territoires et partout où se trouvent les structures de l'armée pour se faire enrôler. Pour la ville province de Kinshasa, le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant-colonel Kokolo et dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Barumbo. La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense. Hâtez-vous. Boya Ebele, Totombola Bendele et Amboka Nabiso. Ans de l'état de siège en Ituri sous le commandement du lieutenant général Luboya Kanchoma Johnny a été caractérisé par l'amélioration de la situation sécuritaire sur l'ensemble de la province ainsi que dans la ville de Bounia. La réouverture des réseaux routiers, notamment la RN27 et la RN4, l'exécution de plusieurs projets de développement, y compris celui de 145 territoires au profit de la population locale. Notons également les retours massifs des populations dans leur milieu d'origine et la reprise des activités socio-économiques, culturelles et scolaires à ce jour la province de l'Ituri. Grâce à l'état de siège, les forces armées dans l'approche militaire et non militaire ont réduit la capacité de nuisance des ADF et les groupes armés locaux. Sur tous les fronts, ceci ont permis à pacifier et restaurer l'autorité de l'État dans certains coins, territoires d'Aru, Mahagi, Mambasa, Djougou et Irumu. C'est le bilan livré par le gouvernement militaire de l'Ituri devant la presse à Bourassa, en chefferie de Bahema Mitego, située à plus de 160 km au sud-est de Bounia, à la frontière avec l'Ouganda. Ce que nous souhaitons avec ces populations que nous allons sécuriser, c'est que ces populations retournent dans leur milieu. Nous sommes en train de pousser avec les dialogues. Nous avons eu les dialogues intracommunautaires, toutes les communautés sont passées. Il ne reste plus que le dialogue intercommunautaire. Pas pour le gouverneur, pas pour la MONUSCO. Pour les peuples ituriens. Pour le commandant des opérations militaires en Ituri, ayant une connaissance parfaite de la philosophie de commandement, l'ère est à la réconciliation sincère et sans hypocrisie de fils et filles de l'Ituri pour avoir la paix. L'effet final recherché pendant cette période de l'état de siège instauré par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est un message ici aujourd'hui pour dire à ces communautés de se réconcilier, de se pardonner, de vivre en harmonie. Et pour vivre en harmonie, il faut l'amour. On ne déplacera jamais une communauté d'ici. Toutes les communautés sont obligées de vivre ensemble. Nous avons les mêmes problèmes aussi vers Ngoté, Dialasiga, où les gens doivent aussi fumer le calumet de la paix, où ils doivent se pardonner. Parce que nous avons déjà fait l'essentiel. Il ne reste plus qu'à dialoguer. Rappelons que dans sa mission d'itinérance sécuritaire dans la partie sud du territoire d'Irumu, le commandant des opérations a visité également Geti, Boga, Tchabi. Question de rassurer cette population de la détermination du gouvernement de la République à imposer totalement la paix afin de bénéficier du programme de développement dans cette partie de la République démocratique du Congo. Yeah.
C'est au quartier général du 34-013 bataillon basé à Boga que le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyanka Chomadjouni, a tenu à l'attention des officiers supérieurs et la troupe des unités FRDC et de la PNC qui a mis fin aux attaques de ZADF sur la population civile innocente au centre de Négos situé à plus ou moins 120 km au sud du Rumu. Le commandant des opérations militaires en Ituri a félicité ses compagnons d'armes pour le travail abattu et les relations civiles militaire qui règne actuellement à Boga après la maîtrise et la stabilisation de la situation sécuritaire. Et loko ya liboso na ningi ko yebisa bino. Eza mes sincères félicitations parce que bozo sala musala. Pe batu nyoso ba moni ke bozo sala musala. O wana se pisi biso. Poursuivant sa communication, le haut gradé de l'armée en Ituri a encouragé ses frères d'armes à demeurer disciplinés et attachés à la défense de la patrie dans l'appui mutuel sur le champ de bataille. L'encourager bino makasi pona musala bozo sala. Et dans la soldat et dans la policier, ceux qui bozan a problème, il faut koyeba koyebisa bakonzi. Reconnu pour son esprit d'écoute et son cœur d'humanisme, le gouverneur militaire a répondu à quelques préoccupations de ces jeunes soldats. Mais la côte là, au moins besoin ni attaque à moi mon père pour la savon avant nga moko na zongi. Ceux qui na zongi la komona na fon na biso. Oh ya biloko kolia ya nini na côté de la bino. Tokani. Le gouverneur militaire a, au nom du chef d'état-major général, appelé à résoudre les problèmes liés aux opérations où les forces armées montent en puissance. Avant de prendre la direction de Tchabi et Bourassi, le gouverneur militaire, avec sa suite, a eu droit à un briefing opérationnel par le commandant 4013 bataillon. Occasion pour le commandant des opérations militaires d'apporter les observations et donner les nouvelles directives opérationnelles en vue de redynamiser la traque contre les ADF pour la neutralisation définitive et restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la province. Lancé depuis le 17 avril 2023 par le gouverneur militaire de l'Ituri, les opérations de désarmement et de mobilisation vont bon trait en Ituri. À ce jour, 156 ex-combattants se sont déjà rendus. Pour le moment, des dispositions sont en train d'être prises pour la réinsertion de ceux qui ont choisi la vie civile. Déclaration du coordonnateur provincial du PDDRCS en Ituri à l'issue d'un échange avec le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyanka Chomadjouni, autour d'un projet de stabilisation qui sera piloté par l'organisation OIM en territoire d'Irumu. Présentement, là, nous sommes en train de préparer comment commencer déjà à les former, les préparer pour leur réinsertion dans la communauté. Mais depuis le week-end passé, nous avons reçu encore un nouveau groupe qui était constitué de membres du ULPC, Mai Mai, qui est venu de la province de Tchopo, précisément de Abafasende, qui sont venus ici, dans lesquels il y a certains qui ont accepté d'être désarmés ici à Bounia. Donc au total, présentement, nous avons au niveau du site au moins 154 combattants. Occasion pour Willy Abibusebo d'appeler certains groupes armés réfractaires à adhérer à ce processus de paix. Le message sera le même, celui de demander aux détenteurs d'armes ou aux groupes armés de venir déposer les armes parce que les opérations de désarmement venaient déjà d'être lancées par l'autorité provinciale qui, aux groupes armés, de pouvoir saisir l'appel du chef de l'État et de l'autorité de la province venir déposer les armes pour que ensemble nous puissions voir reconstruire la paix dans notre province. Il faut dire que la réussite de ce programme est gage du retour de la paix dans cette province. La cité de Mongata et ses environs, situés à plus de 150 km à la limite entre la ville-province de Kinshasa et la province du Kwango, ont retrouvé la quiétude
après l'intervention des forces armées de la République démocratique du Congo. La paix dans cette partie de notre pays a été perturbée le samedi 13 mai 2023 aux environs de 4h du matin par les hors-la-loi Yaka, appelés Mobondo, auteurs de l'insécurité dans les Kwango et dans la commune urbano-rurale de Maluku. En mission d'inspection au péage de Bachongo, à la limite entre Kinshasa et Kwango, le colonel Kabwe Banze Bienvenu, commandant du bataillon de FARDC de la province du Kwango, en provenance de Kenge, tombé dans l'embuscade de Mobondo, a été sauvagement tué, lui et ses trois gardes de corps. Informé de la situation, le général-major Kizimu Mbuyustazin, commandant de la 14e région militaire et commandant place civile province de Kinshasa, a reçu mission de ramener la paix dans cette périphérie de la capitale. Son arrivée et celle de renfort a non seulement maîtrisé la situation et ramené la paix dans la contrée, mais aussi permis la reprise immédiate de la circulation interrompue suite à l'insécurité provoquée par les Mobondo sur la route nationale numéro 1. Témoignage d'un usager de ce chauffeur ya New Ereka. Nakabuga va monter Balubino, Bachongo, na Mongata, et comme nous déjà libre. Mais malgré tout ça, ma boka ya Mobondo, Bokokendi. Tu vas dire que l'andana ti, tu es commis à Wana Bachongo. Juste les places tracteurs, on les a été les Miwana. Ils ont été belés. Tant au Leki, nous avons mis sous Bazalaki dans Denga Sima. Bakangi Bisso, Batem Sousso, nous avons mis 10 000. Pour Azan, la poste va l'exercer à l'Ekati, Nangambu, après ça 300 000. Les 300 000 les arrêtés, tout le monde nous a 10 000, tout le monde nous a 10 000. Il y a Transco, il y a des Transco. Moi, je suis poussé, moi, je suis ont rapidement repris la situation en main et rétabli l'ordre et la sécurité dans la zone. Le général Mstazin, après avoir rapatrié les corps du colonel Kabwe et ses gardes de corps, à Kenge, fait le point de la situation. Voilà, nous sommes là, effectivement, c'est pour des raisons de coopération. D'abord, il faut reconnaître que ce matin, c'était à 4h du matin, les assaillants, une fois de plus, ont voulu troubler la quiétude. Ils se sont attaqués à la population. Heureusement que les militaires ont été vraiment éveillés. Et au niveau de Mongata, ils ont neutralisé plusieurs assaillants. Et ici, à Bachongo, évidemment, ils se sont attaqués à chose au péage. Et finalement, ils ont créé un désordre jusqu'à tuer une femme. Alors, il fallait absolument que nous venions constater. D'abord, voir ce que le travail que les militaires ont fait. Le bon travail d'ailleurs, parce qu'ils ont neutralisé les assaillants. Quand bien même la population a fui, mais au moins aucun civil n'a été tué. Et après, bon, essayez encore de revoir, de réajuster comme toujours nos positions. Et après, bon, voilà, causer avec les militaires pour voir ce que ça peut donner. Ah d'accord, pour la population, d'ailleurs, vous êtes témoin, nous sommes à Bachongo. Et nous venons de l'intérieur. Hein. Nous sommes partis à 2-3 km de Kwango. C'est Maïndombe, je pense. Alors nous venons de là. C'était une patrouille juste pour voir un peu la situation sécuritaire. Les choses sont calmes. La population est demandée de rentrer, n'est-ce pas, dans son village, continuer avec ses activités. Et donc le calme est rétabli, il n'y a plus de peur, et la population rentre, les militaires sont là, ce sont leurs enfants, n'est-ce pas, qui ont travaillé pour les sécuriser. Maintenant que le calme est revenu, ils rentrent pour continuer avec leur vie d'habitude. En ce qui concerne le véhicule, vous êtes avec moi, on a lancé, n'est-ce pas, on a demandé à ce que le trafic recommence, et donc il y a des véhicules qui passent, il n'y a plus un souci. Les gens passent sans problème. D'ailleurs, vous êtes témoin, il y a même
un membre du gouvernement qui a été avec nous ici, n'est-ce pas, qui part à Kwango. Et donc c'est pour vous dire qu'il n'y a pas d'inquiétude actuellement. Les gens passent. On a ouvert le trafic et donc tout est bon. Cinq jeunes délinquants, auteurs de l'insécurité dans le quartier Grand Maliki, anciens combattants, dont la commune de Ngaliema à Kinshasa, ont été arrêtés par les FARDC, venus en rescousse de la police nationale congolaise. Ils ont été acheminés près les services spécialisés pour des investigations approfondies. Ils sont ici présentés à la presse par le général-major Ekengebo Moussa Ifomi Sylvain, porte-parole des FARDC. Je vous présente un groupe de 53 jeunes gens qui viennent d'être arrêtés au quartier Grand Maliki et anciens combattants. Ces jeunes gens, comme vous les voyez, ce sont ceux-là qui commettent l'insécurité et la terreur dans ces deux quartiers, qui s'affrontent avec d'autres. Et dernièrement, la police a arrêté un de leurs leaders et ils sont allés le libérer par la force. Et les forces de défense ont été appelées en rescousse. Et le résultat est là. Ils sont au nombre de 55. Et ici, ils sont 53 qui ont été arrêtés. Et il reste deux qui sont blessés, qui sont admis aux formations médicales, à l'hôpital militaire. Donc, ils sont auteurs de beaucoup de voies de fait, des attaques d'autres jeunes, des attaques des paisibles citoyens dans les quartiers des Grand Maliki et des anciens combattants. Et ils viennent d'être neutralisés et ils seront exploités. Et avec eux, on a trouvé tout ce que vous voyez ici comme panneaux solaires et un appareil de phonie avec qui ils communiquent. On ne sait pas encore, mais les services vont travailler pour connaître qui les entretient et pour connaître aussi leur motivation. Voilà l'essentiel du message qu'on devait vous transmettre ce soir au sujet de ce que vous voyez devant vous. Ce sont des vrais criminels qui sont même au-dessus des Kuruna. Et on va connaître leurs motivations avec leur exploitation par les services. Merci. Les auditeurs de la 8e promotion ordinaire du Collège de hautes études de stratégie et de défense CHESD, accompagnés de quelques cadres de cette école d'excellence, ont, sous la conduite de leur commandant, général-major Moubiaï Mamba Augustin, effectué du 6 au 13 mai 2023 un voyage d'études en République arabe d'Égypte. À leur arrivée, ils ont été accueillis par le général Ahmed Cheita et le colonel Rachad. Ces voyages d'études s'inscrivent dans le cadre de la formation normale et de recherche prospective dans le domaine de l'équipement et de technologie. Au cours de ce voyage, la délégation du CHESD, composée de 34 auditeurs, dont 28 officiers généraux et supérieurs de la RDC, des généraux et un colonel burundais, entre autres un officier supérieur du Congo Brazza et deux colonels de la République centrafricaine. Et 13 cadres ont visité tour à tour l'autorité de formation de forces armées égyptiennes, le commandement de troupes aéroportées égyptiennes, le commandement de forces spéciales. Les mémorials du soldat inconnu, l'académie militaire Nasser, où se trouve l'école supérieure de guerre, l'école de défense nationale, les centres de stratégie, la grande bibliothèque et la citadelle des Kaïtbaï à Alexandrie. Par ailleurs, la délégation a visité le musée national de la civilisation égyptienne, compte tenu du fait que l'Égypte a une signification stratégique et historique pour la civilisation mondiale. Ce musée, ça a été fondé en 2002, ça a été inauguré avril 2021. Et l'idée de ce musée, c'est unique par rapport à une vingtaine de musées en Égypte, que ce soit un musée pour la civilisation égyptienne, pour avoir toutes les civilisations qui étaient sur le territoire égyptien.
en passant par l'époque pré-dynastique jusqu'à l'époque moderne. Et ce musée-là, ça a été construit avec l'Égypte à l'aide de l'UNESCO. Aussi, on a choisi l'emplacement à plusieurs raisons, puisque le musée est situé. On a fait le défilé des grandes figures des rois de l'Égypte. Ce musée, ça fait depuis avril 2021 un nombre très très élevé de visiteurs étrangers, de toutes les nationalités, aussi les Égyptiens presque. À son arrivée au Caire, la délégation du CHUZ a présenté les civilités à l'ambassadeur Kasongo Musinga de la RDC en Égypte. En ces jours de travail dans le secteur opérationnel nord-équateur, l'inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Amissi Kumba Gabriel, a échangé le vendredi 12 mai avec les officiers militaires de la garnison de Guémena à l'état-major du secteur opérationnel nord-équateur. Le speech de l'inspecteur général des FARDC s'est articulé essentiellement autour du bien fondé du contrôle biophysique initié par l'inspectorat général des FARDC sous l'impulsion du commandant suprême des forces armées et président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans l'objectif d'auditer la base de données existante en vue de constituer une nouvelle base de données plus fiable et exempte de toute ambiguïté sur les effectifs des éléments de FARDC. Auparavant, le commandant secteur opérationnel nord-équateur, le général-major Kisebou Elamouseni Isaac, a brossé succinctement à l'intention de l'UG de FARDC la situation sécuritaire qui prévaut dans sa zone de responsabilité et à profiter d'en présenter les défis majeurs. Après cet échange, le général d'armée Amissi Kumba Gabriel a visité tour à tour les différents bureaux et locaux en pleine réhabilitation, ainsi que le mess des officiers et celui de la troupe. Question de se faire une idée exacte sur la qualité et les grammages des repas servis. Même exercice de visite à l'état-major du 13-0 des régiments infanterie au camp Libengemoke, où l'inspecteur général des FARDC a loué les efforts déployés par les commandements des 13-0D régiment infanterie chapeauté par le colonel Mboniga Bawili pour l'érection d'un bâtiment abritant plus de 21 locaux et bureaux sur fonds propres. Ce qui a pour avantage de rapprocher le commandement de l'administration. Après le travail, le soir, dans un hôtel 3 étoiles de Guémena, le commandant secteur opérationnel nord-équateur a organisé une réception à l'honneur de son hôte. Plusieurs mets locaux accompagnés de diverses qualités de boissons ont fait la joie de tous les convives, composés principalement des officiers et soldats de la garnison de Guémena venus à cette occasion. C'est le samedi 13 mai que l'inspecteur général de FARDC a regagné Kinshasa après sa mission concomitamment avec le commandant secteur opérationnel nord-équateur qui s'y rend dans le cadre d'une mission de service de 72 heures. Congolaises, Congolais, les forces armées recrutent pour répondre à la mobilisation générale décrétée par le président de la République et commandant suprême. Venez massivement vous enrôler au sein des FARDC pour défendre la patrie. Pour ce recrutement, les conditions exigées sont les suivantes. Être de nationalité congolaise, être âgé de 18 à 25 ans, être célibataire, sans enfant et volontaire, avoir une bonne moralité, avoir fait au moins 4 ans post-primaire, être physiquement et mentalement apte, être sans antécédent judiciaire. La force aérienne recrute les candidats pilotes et techniciens d'aviation et la force navale les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine. Présentez-vous dans les états-majors des régions militaires, de la force aérienne, de la force navale, au bureau des territoires et partout où se trouve les structures de l'armée pour se faire enrôler. Pour la ville province de Kinshasa, le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant-colonel Kokolo et dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Barumbu. La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense. Hâtez-vous. Boya ebele, totombola bendele ya mboka na biso.